saucisses. Ah, bienvenue chez Chef JM, hein. Aïe, Charles des Îles. Et bon appétit, bien sûr. Tu veux la cuisine? Oui, 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 oui. Il va te la donner, Chef JM, oui. Tu veux la cuisine? Oui, 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 oui. Il va te la donner, Chef JM, oui. Tu veux la cuisine? Oui, 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 oui. Il va te la donner, Chef JM, oui. Tu veux la cuisine? Oui, 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 oui. Il va te la donner, Chef JM, oui. Viens le voir dans sa maison, tu verras son espadon. Viens le voir dans sa cabane, tu pourras goûter sa banane. Viens le voir dans son salon, tu pourras tâter ses rognons. Viens le voir dans sa cuisine, il y aura peut-être les voisines. Tu veux la cuisine? Oui, 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 oui. Il va te la donner, Chef JM, oui. Tu veux la cuisine? Oui, 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 oui. Il va te la donner, Chef JM, oui. Tu veux la cuisine? Oui, 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 oui. Il va te la donner, Chef JM, oui. Tu veux la cuisine? Oui, oui, oui. Va te la donner, Chef JM, oui. Viens le voir dans son bateau, tu pourras lécher son couteau. Viens le voir dans sa brouette, tu pourras pétrir sa baguette. Viens le voir dans son tipi, tu pourras tremper ton biscuit. Viens le voir dans son palais, tu verras sa pièce montée. Tu veux la cuisine? Oui, 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 oui. Il va te la donner, Chef JM, oui. Tu veux la cuisine? Oui, 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 oui. Il va te la donner, Chef JM, oui. Tu veux la cuisine? Oui, oui, oui. Va te la donner, Chef JM, oui. Tu veux la cuisine? Oui, 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 oui. Il va te la donner, Chef JM, oui. Chef JM, oui. Il va te la donner, Chef JM, oui. Viens.
Viens le voir dans son bateau, tu pourras lécher son couteau. Viens le voir dans sa brouette, tu pourras pétrir sa baguette. Viens le voir dans son tipi, tu pourras tremper ton biscuit. Viens le voir dans son palais, tu verras sa pièce montée. Tu veux la cuisine? Oui, 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 oui. Il va te la donner, chef JM, oui. Tu veux la cuisine? Oui, 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 oui. Il va te la donner, chef JM, oui. Tu veux la cuisine? Oui, 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 oui. Il va te la donner, chef JM, oui. Tu veux la cuisine? Oui, 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 oui. Il va te la donner, chef JM, oui. S the Tech DJ. Bonjour, comment ça va aujourd'hui? C'est le Chester, c'est du Cloto, c'est du Cardinal Cricri, comment allez-vous? Je re... Tout toi sortir, ça marche! Ça marche, ça marche à tous. Comment ça va Cloto? Ça travaille pas beaucoup, hein? Ça travaille pas beaucoup, hein? Je suis fatigué, ça, maman! Hop. De l'hydratation directement. Vous avez passé un... Quel jour on est lundi? Bon lundi, bon lundi. J'ai la flemme de stream aujourd'hui. Vraiment, une énergie négative. Allez, je vous montre ce que j'ai fait. On a acheté des fruits, des légumes. Voilà, on va faire ça. Ça va être un stream assez court, je pense, aujourd'hui. Mais comment ça, ça travaille pas beaucoup? T'es sur Twitch avec moi, donc... Allez, là, motivé. Non, mais t'inquiète, même si je suis pas motivé, je vais faire des dingueries. C'est pas la question. Quand on fait... On fait bien. Vivement les vacances. C'est faux, je n'ai pas de vacances. À tout Chester. Vous avez fait quoi ce week-end? La Côte d'Ivoire. Je pense qu'on va réfléchir pourquoi je... Ah, je commence par le gratin de pâtes. Ça va être chiant en faire. Bon allez, on attaque direct là. Il y a Técoureur qui est passé tout à l'heure, il avait oublié ses câbles. Pour le stream qu'il a tout à l'heure. J'ai pas goûté, vous savez, j'ai pas goûté mes cakes. J'ai pas goûté ça. Je suis parti hier. Ouais, c'était hier déjà. Putain, ils sont collés. Pas mal. Ok. Faut que je sorte juste avant. Là, comment on fait? Salut Alsterial. Bon. On a vu ce qui se passe, les fruits, les légumes. On va faire des choses colorées, plein de vitamines. On va commencer d'abord par le gratin de pâtes. Vous avez mangé quoi à midi? Ça, c'est important. Ça, c'est des vraies questions que l'on pose. Alors, on va faire ça. On va se prendre une petite poche. Comme ça, pour farcir, ça va être beaucoup plus facile. Tac. À tout.
C'est un peu de la chantilly mascarpone aussi. C'est pas mal ça. Oh, allez, chez moi. Donc, c'est le truc que je devais faire vendredi. Donc on l'avait fait, sauf que j'avais pas fini le... Qu'on appelle. Le montage, on avait tellement fait de trucs là, le vendredi du Quimix. Et là, salut Chacha Chou. C'est bon, t'as été intronisé dimanche chez les Minous ou pas? J'ai pas pu voir. J'ai pas pu voir, j'étais dans le train ça captait pas. Ou je viens de leak une info importante. Oh, du coup, Chacha Chou, t'as bien compris que je ne viendrai pas cette semaine dans le Nord. Là, j'ai pas eu le temps au final. J'ai une chanson vraiment. Ah putain, ça a clippé. Ah, j'irai voir. J'irai voir la rediff. Salut Ludo. Comment il est? Comment ça va? Ah, j'irai voir. C'était quoi la chanson? Ah. Envoie-moi là. Si t'as le clip, envoie-le moi sur. Sur Didi ou sur. Sur n'importe quoi. J'irai voir. Ça y est, Chacha Chou. Modo de tout ce game. Parce que j'allais dire, c'était la première modo. Non, la première fois que t'étais modo, c'était pas chez moi, c'était chez... Chez ta femme, je pense. Non, je sais même pas. Alors, attendez, on va prendre des moules. On va tester des choses. Et le Binils, comment il va? J'étais modo chez... Ah, j'ai Hades aussi. Ah, ok, nice. Comment il va le Binils? Alors, attendez, il faut que je teste. Si j'ai assez de pâtes pour faire tout ça, mais j'aurai jamais assez de farce. Je vais en faire un mini. Au travail, je viens l'orquer, let's go. Ça finit bientôt, non? Salut Monsieur Gobi. Mais je stream que le matin, du coup, c'est compliqué pour moi. Ah ouais, et salut Miam Miam. Après, ouais, les horaires... Après, moi, enfin, ça dépend aussi le... les streamers, comment ils te... Comment dire? Comment ils impliquent les modos ou pas. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je me dis... En vrai, si t'es là, c'est cool. Si t'es pas là, tu vois, genre en mode... Pas grave, c'est ce que je veux dire. C'est bon, j'ai passé le CAP, je dis mat. Oh, et alors ça dit quoi? Alors, c'était quoi le sujet? Ça s'est passé comment? Tu te sens comment? Faut me dire là. La poche un peu trop gros. Dure les sujets. Alors attends. Je vais lire aussi en même temps. Fumée dorade, pommes de terre et carottes tournées, sauce vin blanc et fumée de poisson, ok. J'apprends la boulangerie, pâtisserie, chocolaterie à l'école, pas facile. Ah, là, tu t'es embarqué dans une aventure. Hein. Dessert tarte fine, poire, pâte feuilletée, crème d'amande plus chantilly. Salut, orphelaire. Oh, Gobi, en vrai, ça allait, non? Je le trouve pas dur, le sujet. En soi, que c'est des classiques. Tu vois, mais il y avait du taf. Et Miam Miam, c'est quoi comme école que tu fais? Je vais mettre un petit fond. Voilà. Je
Légumes tournés, c'était trop long. Les pâtes feuilletées aussi. Bah, pâtes feuilletées, c'est chiant, mais c'est pas complexe. Après, les légumes tournés. Il faut, là, le truc, c'est qu'il faut avoir le geste. Hein. Tu sais que tu vas en avoir à un moment donné. De toute façon, dès que j'ai mon diplôme en poche, je vais à l'armée. Mais tu vas faire l'armée, tu vas faire cuisiner à l'armée ? Gobi, tu le sens comment? Après là, c'était la pratique, hein. Il y avait des écrits et tout. Ok, il en prend encore. Mackenzie, petit mouton. Peut-être, je ne sais pas encore, peut-être paracommando comme on... Ah ouais, putain, là... Commando et tout, vraiment la bagarre. Et salut Tiger Glue, comment ça va? Bonsoir à tous, comment vas-tu Jacques Mayol? Ça devrait le faire, j'ai eu comme remarque manque de plat sur le sel et la pâte feuilletée un peu moins cuite au milieu. Manque de plat sur le sel? Manque de sel sur le plat tu veux dire? Pâte feuilletée un peu moins cuite au milieu, ok. Il me reste 3 années d'études, ok, ok. Hormis la chaleur, ah bah là ça commence à être l'été là, les canicules, tout ça là. Non bon ça va. Hein. Petit stream du lundi chill. Pareil les restes là du. Les restes du cuit mix et du dimanche. Ok, on a mis nos pâtes. Je sais pas si ça va être bien ou pas. On va râper un peu de fromage. Ça, on le regarde au frais. On verra si on a le temps de s'en faire un deuxième, si l'autre est cuit. Qu'est-ce qu'on se met comme fromage? J'ai... Attends, ah non, j'ai de la tome. J'ai de la tome...
La tome à la truffe, on va la finir comme ça. J'ai bien dormi. Pas moi. Je n'ai pas assez dormi. Comment ça va? Elle a fait du bien cette sieste, j'imagine. Moi aussi en classe, ils oublient toujours le sel. Ah merde. Manque de sel sur le plat. Ah, manque de sel sur le plat, ok. Alors on va râper ça, je vais le mettre là. A plus tard, Miam. A plus. Vous avez fait quoi de votre week-end là? Ce qui vient d'arriver. C'est un bon week-end. Un bon lundi. Et là, on va venir juste rapper. Une jolie. Oh merde. Une jolie couche de fromage. Alors mon week-end, ok, j'arrête. On a dit week-end, on n'a pas dit lundi. Oh putain, j'ai du pain perdu, j'ai des cakes dans le frigo. Et salut, salut, ah, le 16e mois, let's go! Ça part au four! Ça, ça part au four. 180, tranquille. Next step! On va se faire des petits légumes. Pour le poisson, j'ai de la courgette, j'ai des haricots verts, j'ai des tomates et j'ai des carottes. Je vais utiliser celle-là parce qu'elle est déjà assez entamée. Et la bouffe gratuite, ça rattrape largement. Ah bah tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Je suis en train de réfléchir comment je la coupe cette courgette. Est-ce que ça me plaît ça ou pas? Ça me plaît pas trop, je vais la recouper en deux. Ouais, ça me plaît un peu plus. Allez, ça part sur ça. On va se les faire sauter. Petite pute d'olive, petite poêle. Haricots verts, on va les blanchir. Tac. Courgette verte. Ouais, je sais pas si je la fais. On va faire un peu de haricots, on va pas tout faire. On va les équeuter. Mama lo, ema ye ta ki mama, boniga ne sambue.
Oh, tu entendras pire comment j'ai dressé mon plat. J'ai pas d'idée là. Faut que je commence à écrire, faut que je continue à écrire le livre aussi là. Le livre de cuisine, vraiment. J'écrive les recettes. Ça, le plus long, ça va être écrire les recettes. Tout ce qui est dosage, enfin peser, temps de cuisson. En fait, je me dis si j'en fais une par jour, dans un mois, c'est fini. En vrai, c'est ce que je fasse. Une fois que j'ai toutes les recettes, il y a... Après, il y aura juste à... Enfin, juste. À les réaliser et faire les photos. Les photos, ça prend du temps de ouf aussi, mais bon. Parce que la recette, quand je l'écris, après, il faut que je la teste, il faut que je rectifie, il faut que... Oh là là là. Vraiment. Ah, au fait, Chachachou, c'était quand ? Quand t'es rentré, là, que tu bossais, le soir, t'avais mangé quoi ? Clé, elle nous avait dit ce qu'elle avait fait. Vous t'avez mangé des sandwichs à midi, là. C'était quoi qu'elle avait fait pour le soir ? Ok, on a courgettes. Courgettes haricots. On va se prendre deux petites carottes. Il y en a une qui est petite aussi, comme ça, là. Elle fait des pâtes... Ah oui, pâtes au chorizo, ouais. La place de Cléa, c'est à la cuisine. Elle te passe le bonsoir, fais-lui un bisou aussi. Donc là, on va juste venir éplucher nos carottes. Ça ira, je vais les couper en deux. Après, je vois si je les coupe en deux maintenant ou après cuisson. Donc je coupe en deux maintenant. Bon, pour la cuisson, ce sera un peu plus rapide. Ok, carottes. Tac, ça. Un petit peu de beurre, sel, poivre. Ça va être pas mal. Oignon. Je vais faire une sauce. Oh, je vais faire une petite sauce verte un peu. Ça va réfléchir. La réflexion. Il m'en reste de la sauce verte, je vais tout passer. Tac, 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 tac. On avait tout passé. Je vais praliner. Ah, je vais faire comme une petite sauce. Sauce. Tac. On va prendre un morceau d'ail. On va venir râper finement. Et après, huile d'olive. Déjà quoi sur le balcon là? Un peu de menthe, un peu de basilic. Salut Plop! Et salut Maxi! Ça arrive en même temps. En même temps, comment vous allez? De là, il y a la ciboulette, elle est là. On a de la cébette. Je vais récupérer quelques feuilles de basilic. Sur le balcon, elles ont soif. Oh là là, vie, elles ont soif.
Mande, je vais en prendre qu'une ou deux. Parce que la mande, elle est assez forte, la mande que j'ai là sur le balcon. J'ai dit qu'on va se prendre que les grandes feuilles. Non. Ok. Wow. Nani. Merci pour le follow, Maxi. Je suis même pas abonné, je débarque toujours grâce aux recommandations. Ah bah c'est pas... y'a pas de soucis. Je t'ai pas abonné la dernière fois, je t'abonne maintenant, c'est bon. Eh oh, les mines 4 Bouffe.b. Chaud mais ça roule. Ah plop, mettre la clim. Hein. Là j'ai récupéré du basilic, de la menthe. On a de la ciboulette qui est juste là. Je vais mettre... j'ai pas des cuits de cébettes. Ouais j'ai des cuits de cébettes un peu. On va hacher assez fin. Ça dit quoi les mines 4? J'ai des trucs à vous raconter les mines 4. Vous allez tarper un rire. Vous allez tarper un rire. Et je vous dirai tout à l'heure. Pour l'exclamation Cuisic, on se retrouve chez les mines 4 samedi. Hein. Samedi, on va faire un stream Cuisic. Ça va être pas mal, ça va être pas mal. Allez, tac, c'est un peu sec, on regarde pas. Ouais, bagarre, la vie bagarre fort, j'ai dit, les gens. Et les gens, c'est des fous. Les gens, c'est des fous. Est-ce que vous êtes, vous, dans le chat, est-ce que vous êtes du genre équipe ou pas équipe? Genre, si on touche à votre équipe, vous tuez les gens ou pas? Ou vous dites, ah non, bah, il m'a rien fait à moi. Je lui fais rien. Tu vois ce que je veux dire? Il y en a, ils sont équipe et il y en a, ils sont pas équipe. Vous êtes équipe ou vous êtes pas équipe? Et merci, heureusement qu'il y a Ours Polaire. Je te jure, heureusement que t'es là. Pour me faire boire. Voilà. Équipe. Équipe, équipe. Équipe. Équipe, équipe. Équipe. Je voulais acheter de la net là pour aller avec le poisson, mais sauf qu'elle était pas ouf. Ça dépend pourquoi. C'est-à-dire. Genre le travail, ou genre la famille, ou genre. Les amis. Ah, attends, je vais voir. Vous allez tarper rire les 24 en plus. Ah putain, j'ai fait un... USEC! Allez, ça part. Ici. Pour les feuilles de basilic et de menthe, la technique. Bon, je vais peut-être changer de ferme. Donc vous entassez vos feuilles, comme ça, et vous allez les rouler, comme ça. Et là, on va ciseler la menthe ou le basilic. Et en fait, ça permet d'avoir une découpe très régulière. C'est beaucoup plus facile à couper que si on le coupait n'importe comment quoi. Fais équipe sur le partage de goût. Hop. Là je vais mettre directement de l'huile d'olive. Comme ça, ça va empêcher aussi l'oxydation des feuilles. Va falloir faire les stocks chez les mini 4. Là ça va plus.
Ok. Tac, on va se... râper notre gousse d'ail. Et bonsoir John. C'est quoi ton hachoir? C'est un... le Nakiri de la marque Wasabi. Il est pas très cher, il est franchement, il est... en rapport qualité-prix, on est pas très... on est pas mal, hein. Et salut Jérémy. Jérémy Land est dans la place. Faut qu'on refile un nul à Donf. Ah ben, moi, il faut que je refile un Zama, il me reste une bouteille. Il me reste une bouteille. Elle est pour vous. Putain, mais comment ça, il me reste qu'une bouteille? Ah non, mais oui, parce que ouais, le week-end, j'en ai donné à mes cousins. T'avais un carton. Mais ouais, après, j'en ai envoyé à Casté. J'ai envoyé deux à Casté, j'en ai donné à mes cousins. J'en ai une là, ouverte, et il y en a une pour vous. Ça va vite, hein. Il n'y a que 6 bouteilles, hein. Là, gousse d'ail râpé, on va mettre ça directement. Ça c'est good. Je vais mettre 2-3 tomates là. Pour apporter un peu de couleur. Je suis sur la fin de la bouteille de la dernière fois. Dès que je finis, je vous la remplis. Sur la fin de la bouteille de la dernière fois. Ah! Ah, de d'olive. Ah ouais, c'est trafic d'huile d'olive, vraiment. Consommation vraiment le truc, c'est que je dis, on fait vraiment du troc. Moi, je leur ramène du rhum, eux ils me donnent de l'huile d'olive. C'est pas mal, ça. Ça, c'est pas mal. Avoir une belle sauce là. On va mettre un peu de jus de citron yuzu. Et salut Arafouné, comment ça va? Arafouné, je l'ai vu tout le week-end. Je l'ai vu tout le week-end. Pierre de jus de citron yuzu, parce que c'est incroyable. On va mettre sel poivre. Une équipe financée de JM. Voilà, elle a dit les termes. Ça vous a pas dit Arafouné où elle était vendredi soir? Tisane de thym, meilleur remède. Attends, qu'est-ce qu'elle a dit? Ça va mieux? Ah, t'es malade? Bon, ça allait bien, non, dimanche? Non? C'est le poivre. C'est vrai que les financiers, vous les avez éclatés, hein. Les financiers, il n'y en a plus. C'est le poivre. On n'hésite pas, ça va venir assaisonner notre poisson. Après, on est le but, mais je ne sais pas encore. Ok, let's go. Dernière chose, on va rajouter un peu de croquant.
Oui, mais ventilo en pleine gueule. Non, je sais pas. Sur la gueule en pleine nuit. Ah bah ouais, bah non, mais ça c'est une erreur de la joueuse française. Là, là, bah oui. Bah oui. Bon, ça c'est des... Ah non, putain, j'ai pas racheté de sésame, c'est ça qu'il fallait que j'achète. C'était du sésame. Du sésame. Bon, il n'y a pas de sésame. Ouais, c'est comme ça. C'est notre petite sauce. Donc on a toutes nos herbes là. Sel, poivre, de l'ail, de l'huile d'olive, des petites tomates. Là, tu mets ça sur tes légumes, sur une viande, sur un poisson. On va être bien. Là, on va être bien. Dans la vie, il ne faut jamais envier ton ami. Écoutez, Yorobo 5500 volts. Y'a pas l'homme. J'avais oublié, j'avais mis du yuzu. Non, le yuzu, c'est... Yuzu, c'est quelque chose. On check le gratin de pâte. C'est pas mal, on va augmenter un petit peu le feu. Le poisson décongèle tranquille, là. On va se mettre des petites tomates. Réfléchis, j'en mets au four. Je vais mettre des petites tomates au four. Attends, une pâte commence à... Regardez. Commence à fondre là, on est pas mal. En 2-3 tomates. Je remets ça au four. Bang. Ça. Allez, un petit cuisson. On va s'envoyer un petit cuisson. Donc de l'eau, une poêle, de l'eau chaude pour les haricots. On va faire sauter nos courgettes d'abord et après nos carottes. On va confire petit à petit. Je sais pas si je mets du miel, si je mets du sucre. C'est celui-là. Du sel ici. Bonne poignée. On va mettre un couvercle. Pourquoi le couvercle ? Gain d'énergie, gain de temps, voilà, économie. Allez là, tac, petit filet d'huile d'olive. On a du sel, du poivre sur le côté, on va assaisonner juste après la cuisson. Après, on va se lancer dans la découpe de fruits. Puis après on est déjà pas mal. Après il y a le poisson à paner. On va le découper à le paner. Et salut Vérov. Tisane de thym, meilleur remède. Non, le meilleur remède c'est tu prends du citron vert. Demi-citron vert. Tu mets ton miel, tu mets ton rhum et tu bois ça. Et tu dors comme un enfant. Salut Foun ! Comment ça va ? Tu dors comme un enfant. Et encore mieux, tu peux mettre du citron verveine. Feuille ou du thym citron. En plus, ça va rapporter un côté herbacé, ça peut être pas mal.
coup de plonge. Là, tu reconnais qu'il fait chaud dans la cuisine quand on éponge. Je suis parti hier, hein. Mon éponge était sèche. T'as dit quoi, Foun? T'as passé un bon lundi, un bon week-end? Je suis en train de réfléchir aussi à la nouvelle recette du Cuisine avec le Chef. Est-ce que vous avez des envies? Ceux qui veulent participer déjà, si vous avez des idées de recettes, parce qu'il faut que je la poste, la liste d'ingrédients, il faut que je la poste la semaine prochaine, comme ça, ça vous laisse une grosse semaine pour faire les courses. Et salut Soliac! Directement ça, les poivrés. Je vais tout mettre dans le plat là. Viande en sauce genre bœuf bourguignon ou blanquette de... Blanquette sous 35 degrés, vraiment c'est compliqué. Hein. Je te le cache pas. Voilà, juste coloré, on va le laisser encore un peu croquant. Là, je vais mettre de l'eau. Voilà ce que je fais pour les carottes. Je les cuis dans l'eau. Et une fois qu'elles sont quasi cuites, j'enlève l'eau ou je la fais réduire. Tu mets un peu de beurre, un peu de sucre. Et tu vas les caraméliser après. Ouais, de toute façon, je pense qu'on va partir sur un truc un peu salade, un truc un peu été. Hein. Alors là, votre JPP fait trop chaud aujourd'hui. Vitello Tonato. Je sais pas, mais tu vois, ça me parle, c'est Vitché. Même le Pokéball, en soi, je suis pas un grand fan des Pokéballs. Enfin, au final, c'est du riz avec des trucs, quoi. Mais Pokéball, comme c'est à la mode, le nom. Salut Alexis. Mais ouais, faire ça. On va voir. Ouais, c'est cool. Tu laisses les feuilles des carottes
Les feuilles des carottes, les fans? Non, les fans, je les ai pas gardés. On peut garder les fans. Ah, gazpacho. Ah, tiens, pourquoi le gazpacho? Ben, gazpacho, le problème, c'est que c'est rapide à faire. Il faut. C'est ça qui est chiant quand je fais mes recettes aussi. Quand je choisis mes recettes, il faut que la recette soit. Assez longue, entre guillemets, à faire. Sur un gazpacho, je prends tout, tu mixes tout. C'est gazpacho. 5 minutes. Les fans, désolé, quoi. Ah, pas de soucis. Non, les fans, je les ai pas gardés, mais on peut les garder pour faire un petit velouté. Ah, j'ai pas mis de ciboulette dans ma. Dans mon autre. Dans la sauce. Attendez, on va faire la. On va couper la ciboulette. De l'eau qui boue, c'est pour ton riz, ça. C'est exactement ça, Foun. Et après, je vais les goûter. Toi, tu veux un Théo, toi? Toi, tu veux un Théo? Oui, le plan, se préparer les légumes. Ah, oh là là, 974, comment il est? Le ex. La réunion, elle est là ou elle est pas là? Bon, hop, vas-y. Je vais juste rajouter ça dans ma sauce. Je vais préparer mes petits bacs pour paner mon poisson. Elle est là. Regarde, même, je peux même te répondre. Je peux même te répondre tout ça. C'est juste une question, rien de plus. Oui, bien sûr. Je te connais. Toi innocent. Arrête de nous mentir. Le riz au four avec du beurre de micelle. Je me dédonne de tout ce qui est dit dans ce chat. Donc là, les carottes, on check. Pointe de couteau. Au niveau, alors si on pique ici, hein, au niveau du haut de la carotte. Pas du bas parce que le bas ça cuit plus vite. Je pense qu'on est pas mal en vrai. Ouais, je pense qu'on est pas mal. Là, je vais juste égoutter le surplus d'eau. Mettre une noisette de beurre. Un peu de sucre. Et on va les caraméliser. Une noisette de beurre. On va baisser un peu le feu là, ça va aller fort sinon. Vous pouvez mettre du miel aussi. Le gars il représente à fond. Hein. Ah! Alors que je suis même pas réunionnais. Hein. Moi je suis à côté. Bon, on aime bien la réunion. T'as raté dimanche, on avait une playlist Sega. Après c'est la même, on est ensemble. Hein. Au sein indien, on est ensemble. Hein. Ce sont des légumes doux. Ça veut dire quoi, Chester? Oui, ils sont très très doux. Tac, petit sucre. Petit sucre! On va mettre de la vergeoise. Hein, parce qu'on adore la vergeoise. Ouais, du sucre blanc, du miel. Sinon tu connais que pour les fans de carottes tu peux faire un petit pesto avec. Ah oui, tu fais pesto, des soupes. C'est très très bon les fans de carottes. C'est très 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 bon. Et aujourd'hui on avait la flemme. Pour l'autre printemps. Ah c'est pas con ça plop. J'ai des feuilles de riz. Jus d'herbe aussi, ouais, tu peux faire plein de trucs avec les fans. Mets juste un petit peu d'eau. Du coup, j'ai pas entendu d'où, j'ai juste entendu à côté. Attends, c'était quoi? Ah, Madagascar! La grande île! Les haricots, on va voir.
Bon, enfin, on vient de métropole, mais on est ensemble. Nord métropole originaire de Madagascar. Bah après, on prend... quand je suis parti à La Réunion, là, après, La Réunion s'est brassé de ouf, mais on me prenait toujours pour un réunionnais. Vraiment, quand les tantines, elles me parlaient créole, vraiment, je bégayais. Moi, c'est pomme grenaille ce soir. Avec quoi? Ou juste pomme grenaille? Il y a pas un petit accompagnement, une petite sauce poivre, petit. Je sais pas, mon choix avec des pommes grenailles. Sinon, salade de légumes aussi, ça peut être cool, genre haricots un peu travaillé, chou ou autre. Ouais, c'est vrai, ok. Je prends, je note tout ce que vous me dites là. T'as plus la tête d'un réunionnais que d'un malgache, frère. Non! Je te jure que non. Les malgaches, ils me reconnaissent direct, regarde. Après là, c'est parce que j'ai la moustache et tout. Non, j'ai la... Bon, en vrai, je suis un mix. En fait, c'est plus j'écoute du Sega et du Maloya, et plus je me... Ah, mais putain, mais si, j'ai des petites pommes grenailles aussi, je crois. Je vais les faire. Voilà, ça on cut le feu, on nous a fait un petit caramel, et au moment de servir on réchauffe pour que ça soit bien brillant. Voilà, les carottes c'est facile, hein. Regardez la couleur. Attendez, est-ce que si je fais ça... Attends, il n'y a pas la lumière. Voilà la brillance. Là, c'est caramélisé. On laisse ça juste là. Nos haricots, ils sont prêts. De l'autre côté, on a nos courgettes qui sont prêtes. Je vais les égoutter. Donc, les haricots verts, quand ils sont cuits, vous les égouttez et vous les plongez dans l'eau froide, glaçon. Ça va couper la cuisson. Ça va fixer la chlorophylle et puis ça va être joli, ça va être bien vert. Elle écoute ta transition de scène, merci, 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 merci. Alors attends, pourquoi j'ai mal aux jambes? Peut-être pas. Salade grecque à la mode JM. Cuite à la poêle avec de l'huile et du gros sel, ok, ok, ok. Tu prends des idées de plats, JM, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Genre, je vous demande vos idées et en plus, je paye même pas. Comment ça s'appelle, Coto? Droit d'auteur, tout ça là. Allez, on va revenir ici. Donc, regardez les fruits là. On a des fruits. Est-ce que tu reconnais ça, Ek? Est-ce que tu reconnais ça? Que tu reconnais les choses. Ah, les Victoriens. Ah, oh, il y a des connaisseurs dans le chat. Il y a des connaisseurs. Courgette farcie. J'ai déjà fait Foun légumes farcis. J'ai déjà fait. C'est un Victoria, ouais. Bah, la taille, les petits, c'est Victoria. J'ai pas l'étiquette, non, je l'ai pas gardé. Meilleur ananas du monde, voilà, les choses sont dites. Non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Quand tu manges ça tous les jours, la vie d'Ouam, même ceux qui aiment pas les fruits, tout ça, non. Manger des légumes dans les pays adaptés, c'est quelque chose. Pour le gratin de pâte, il dit quoi, là?
pas mal, hein. C'est ça. C'est bien gratiné. Est-ce que ça, c'est gratiné sur les côtés? On va pousser un poil le four. Carpaccio de Saint-Jacques. Mais c'est la Loonie! Let's go! La plaisanterie est terminée! Pomme de terre. Et comment ça va, Loonie? Si elle soit Loonie. Putain, mais Chacha Chou, elle est trop vive. Elle est trop vive. Et salut, Matsoz! Comment ça va, Loonie? Ça fait quoi aujourd'hui? Des bails de Immortal Phoenix Rising? Qu'est-ce que c'est? C'était joué à quoi? Je vais boire, j'ai trop soif. Vraiment, j'ai soif, je suis desséché. C'est un jeu. Mais non, mais merci. Mais c'est quoi? C'est un jeu de quoi? Relo! Retire au four avec de l'ail, du romarin, huile d'olive et quelques épices. Let's go. La popiette! Ah, on a jamais fait de popiette. On n'a jamais fait de popiette. Qu'est-ce que je voulais? Je voulais le poisson. Je voulais le poisson, la poiscaille. On va récupérer la poiscaille. Bon, c'est pas du poisson frais. Mais c'est pas grave, même si on n'a pas tout frais, c'est pas grave. On peut quand même faire des bons plats. Mais le but, c'est d'avoir des produits qui sont le moins transformés possible. En fait, ça, c'est une idée inspirée. On avait fait un saumon, pareil, un saumon pané. On avait fait un saumon pané il y a 2-3 semaines. Et je me suis dit, je peux le faire une version avec du cabillaud. Parce que moi, le poisson pané, c'est ma vie. J'adore trop le poisson pané. Je ne peux pas rester, ça marche. Des bisous, Loonie. Merci, merci pour le raid. Et ça va très bien. Et t'es rentré à Lille ou pas? Zelda like, ok. Rouler au concombre avec herbe, fromage blanc et saumon fumé. Mais on n'a pas fait ça encore. On n'a pas mis de saumon, mais on a mis. Mais le poisson pané, vous savez pas vous. Quand je prends des burgers, je prends toujours un burger bœuf. Un jeu de rôle, je sais pas dans la mythologie grecque. Ah merci. Okay. Je prends toujours un bœuf. Et un poisson. Je sais qu'il y en a qui disent, mais non, burger poisson, c'est bizarre. Non, la vie, c'est trop bon. La vie, c'est trop bon. Ok, notre poisson. Allez, on va se rapprocher tranquillement. Ah! Bah, dis donc. On va changer. La batterie. La batterie! La bouffe, c'est la vie. Ah! À qui le dis-tu? D'ailleurs, tu nous viens d'où, Ek? Bon, on sait que c'est la Réunion, mais. Bah, peut-être pas en vrai, ça se trouve, t'es en métropole. Tu nous viens d'où? Et normalement, on pose des questions aux nouveaux arrivants. On leur demande est-ce que vous aimez le zouk, le rhum et le rougail saucisse. Mais bon, je pense qu'on est tombé sur quelqu'un qui aime tout ça. RIP la batterie de ouf. Alors par contre, putain, il a. Je suis en train de voir, je vais les découper, je pense. Pour avoir des trucs un peu plus jolis. Là, c'est pas mal, ça j'aime bien. Lui. Putain, lui, il est technique à couper. Après, il faudrait que ça tienne debout comme ça. Ok. Et lui, si je le recoupe, ça peut être pas mal. Ah ben, je suis rougail saucisse, carré de poulet pour mes potes, ils me harcèlent. Ah! Ah, nouveau Saint-Pierre, mais je suis expatrié en métropole à Nantes. Oh là 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 là. Le soleil, c'est comment?
On va paner ça de façon classique. Œuf, panko.
sais pas si vous voulez que je le dise, mais c'est un modo. Bref, peu importe. Mais quand il reprendra, vous inquiétez pas, on va vous dire... Oh non, mais je l'ai déjà raid en plus plusieurs fois. Ou il m'a raid. Mais c'est au tout début. C'est lui comme il faisait tous les matins, et quand j'ai commencé le stream, lui il streamait le dimanche matin, et du coup il me raidait à chaque fois. Donc là voilà, on va bien en mettre partout, on néglige aucun côté du poisson. Et du coup, ouais. Du coup je m'étais remis au dessin, et comme il a arrêté de stream, j'ai arrêté de faire du dessin. J'ai loupé les 2-3 premiers mois de la chaîne. Bah après il a arrêté, Moi j'ai commencé le dessin et lui il a pris le taf. Je sais plus. Quoi c'est Fiola? Qui s'y raconte? Bah ouais, Fiola c'est mon frère. Ok, tac. On prend, prenez le temps de bien paner. Là, on fait qu'une seule couche, ça suffira largement. Si généralement vous, vous voulez faire du fromage par exemple, fromage, deux couches c'est pas mal pour éviter que le fromage se barre. Je fais depuis fin janvier et le raid de Trinity. Ouais, bah du coup. Ouais, c'est ça, t'as dû. Même pas, t'as raté. J'ai commencé le 18. Décembre, ouais, t'as dû rater deux mois max. Allez, deuxième filet. Alors, j'ai sorti aussi le gratin de pâtes. On va le démouler après, on va voir ce que ça donne. C'est fou quand même, hein. Je me dis que. On a vraiment, enfin pas, on a bouclé la boucle, mais on a eu notre premier gros raid, c'était Trinity. Mais je crois, je sais pas combien de personnes elle avait envoyé, mais genre, mais laisse tomber. Et la boucle est bouclée, elle est venue ici faire un stream cuisine, avec son livre de cuisine. Je dis, c'est bon, on a plié le game. Et en plus, et le hasard fait que... Le jour où elle est venue stream, c'était la sortie de son livre, en fait. C'était pas calculé du tout. Je sais plus la première fois la chaîne que j'ai follow, c'était il y a 7 ans. C'est con, je serais curieuse de savoir. Je sais pas si on peut le voir, ça. Il n'y a pas les commandes, Foon. Fais une commande Insta. Celle-là, elle marche. Bientôt stream du chef dans le camion de Trinity avec son livre. Chut. À dire. Il a leaké les deux ans, Soliac. Il a leaké le programme des deux ans. Ok, merci, Soliac. Merci beaucoup. Il a leaké le programme des deux ans. Ce fou. Je pose mon leurre le temps de la préparation, mais j'entends rien. Si, Martin, j'ai pas compris. Allez, tac. Juste me. Je vais mettre ça là ici. Founis, il teste toutes les commandes. Tac.
Ah, le poisson pané, ça se mange tellement vite après. C'est ça qui est assez frustrant quand même. Le pané, ça prend du temps, mais après, le manger, le poisson. Réponds-moi par écrit, mais je commence à avoir des profils pour décembre. Je te bloque une date pour tes 2 ans. J'offre le super modo. Ah, franchement, non, les 2 ans, je sais pas encore. Les 2 ans, je sais pas ce que je fais. Je sais pas du tout, Martin. Est-ce qu'on les fait? Est-ce qu'on les fait pas? Est-ce que je fais que de la cuisine? Est-ce que je sais pas? Parce que franchement, j'ai la flemme de réorganiser un truc comme pour les 1 an. Je l'ai fait une fois, je le ferai pas 2 fois. 24 heures cuisine et musique. Salut Miette! Franchement, je te jure, vraiment, j'ai la flemme. Pour l'équipe, je l'offre, sinon je le loue. Il est le casé. Non, je pense que je referai pas un truc comme j'ai fait pour les 1 an. C'est trop d'organisation, franchement, j'ai... C'était beaucoup trop. C'est bon, je l'ai fait une fois, la flemme de faire 2 fois. Je me suis retrouvé à faire un livre de cuisine. La flemme. Nani ? Merci pour le faux. Abby. Bienvenue à toi. Salut Kidouille. Sinon, à la doc, chat, 24 ans, 4... Non, c'est trop dur aussi. En vrai, je pense que c'était plus dur pour lui que pour moi. Dans le sens où... En fait, genre, une fois que t'es lancé, je trouve que c'est plus dur de s'arrêter de reprendre. Moi, là, j'ai eu 24 heures, j'ai eu l'adrénaline sur les 24 heures, et puis après, c'est terminé. Là, putain, reprendre un stream, refaire un... Oh non, franchement, la flemme. Pourtant, c'était trop bien. Ah oui, c'était trop bien, mais... L'organisation qu'il y avait derrière. C'est barbecue géant ou c'est les autres qui cuisinent pour les 2 ans. Peut-être que... J'ai des idées, je vais pas vous spoil, mais... Salut Sultan. Mais genre... Même le nombre de personnes que j'ai invitées... On était à la... Je vais pas dire on était trop... Mais pas loin. Parce que vraiment... L'orga, c'était chaud. Et boudez pas si je vous invite pas aux 2 ans. Parce qu'il y en a, ils ont boudé parce que je les ai pas invités pour les 1 an. Des boudeurs, là.